Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi matin. Je suis dans le brouillard. Hein. Je me suis levée, j'ai préparé j'ai préparé des lunchbox défi. Alors comme c'est vendredi, que de toute façon il y a sortie nature pour Rachel, c'est grilled cheese pour les deux parce que là, maman, elle n'arrivait même pas à se lever. Je me suis levée à 7h. Normalement, je me lève entre 6h et 6h30. C'est pour vous donner une petite idée de à quel point je suis à l'arrache. Impossible de me lever. Mais aussi, il faut dire qu'Eliora n'était pas bien hier soir, qu'elle n'arrivait pas à dormir. Et du coup, qu'elle a dû squatter notre lit et qu'elle ne voulait pas dormir. Elle arrive à... Ça va être compliqué pour elle, à mon avis. Le réveil aussi. Là, je me fais mon petit café. Je monte juste après pour habiller les filles et prendre le petit déj et partir à l'école. De toute façon, c'est ça. Le matin, on n'a clairement pas le temps de s'ennuyer. Après, honnêtement, j'ai pris goût à cette route que je fais tous les matins et tous les soirs. Parce qu'il n'y a pas de bouchons, il y a des animaux, il y a des paysages. Il faut être concentré sur la route parce que c'est de la route de campagne. Donc ça tourne tout le temps. Et c'est hyper agréable, honnêtement. Après, je pense qu'il y a des moments où ça va me saouler. Il y a les vacances scolaires pour ça. Et c'est hyper agréable dans le sens où je me vide la tête. Petits œufs brouillés au petit déjeuner. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'adores ça, c'est une duchée d'or dedans. J'ai peur, il n'y en a pas assez. Il y en a plein, tu rigoles, c'est juste qu'il est fondu. Oh là là! Vivement qu'on ait nos poules, hein. Oui. Pour que ce soit nos œufs à nous. On a vu qu'il poules, on pourra en faire comme des ça. Des œufs géants, ça c'est des œufs d'autruche. On n'a pas d'autruche. Il faut voir avec papa, peut-être qu'il mais veut. Il y a comme tu ça. Veux une autruche? Tu veux une autruche, Rachel? Non, caca, il est le comme tu détestes ça. Les autruches? Oui. Tu veux que des poules, toi, d'accord. Et toi, tu veux des poules? Oui, mais je veux aussi un coq. Ah, mais non, les coqs, c'est pas possible. On est dans un village, ça va réveiller tout le monde à 4h du matin. C'est no way. Et ça va te réveiller aussi. Donc, moi, non. J'adore me réveiller à 4h du mat. Pas de coq, mon amour, que des poules. Je me dors littéralement dessus. Je viens de rentrer, j'ai déposé les filles. Sur le trajet, j'étais dans ma tête. J'ai même pas mis le GPS, alors que je mets toujours le GPS pour pas me tromper de chemin, parce que tout se ressemble. On est en plein dans la campagne, il y a 12 000 ronds-points, il y a des virages partout. Bref, et j'ai retrouvé le chemin. Mon cerveau, il était en mode pilote automatique. En plus, c'est pas bien, il faut que je fasse gaffe ici. Il y a des sangliers. Ce matin, il y aura à la vue des chevreuils, il y a des lapins, il y a des chiens. C'est la campagne, quoi. Il y a des gros oiseaux et tout. Il faut que je fasse gaffe, clairement, à ne pas abîmer tous ces petits animaux qui peuvent traverser la rue et à ne pas défoncer ma caisse avec un sanglier également. Bref, qu'est-ce que je veux dire? Je vais débarrasser la cuisine ce matin à 11h30, donc dans 2h. Oui, même là, c'est difficile, hein. Oh, Tara, arrête, s'il te plaît, mon chien. J'ai une journaliste chez France Info qui vient de m'interviewer. Et donc, voilà. Voilà. Ça va être sympatoche. Sauf que je peux pas la recevoir dans le petit-déj des enfants. On est bien d'accord. Donc c'est parti. Another week, another day, another hour since you went away, and so cliche, you didn't say goodbye. I've been waiting for so long, still debating what went wrong. All by myself, you pulled away, you couldn't say what we were struggling.
Ça y est, la cuisine est quasiment toute rangée. Je vais ranger les affaires des filles qui sont sur les côtés. Là, je vais les remettre derrière. Je suis fracasse. Mais alors, vraiment, c'est vendredi, c'est pour ça. Demain, on retourne sur Paris. Parce que, et il y aura un anniversaire. Du coup, on va en profiter pour manger avec ma maman. Et dimanche, je rentre ici avec les filles. On rentre toutes les trois en amoureuse. Voilà, comme ça vous savez tout. J'avoue que là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me recoucher. Oh là là. Faire boire mon café et je vais monter le vlog. Comme ça, je serai tranquille pour le reste de la journée. Vraiment, la journaliste, elle va arriver. Elle va pas en... Elle va me dire, c'est pas possible, c'est pas une influenceuse. J'ai des cernasses noires. Je sais pas si vous verrez à la caméra. Moi, je vois sur le retour écran, mais je sais pas si vous verrez. Et je suis blanche comme un huc parce que je me suis pas maquillée et qu'aujourd'hui, j'ai pas envie. Donc, je vais pas me forcer. Ça, vous savez, ici, c'est 100% nature de toute manière. Et elle va me voir. Elle va dire, c'est quoi ça? Avec Georges, là, qui est là. C'est quoi? C'est quoi? C'est qui cette personne? Donc voilà, là j'ai tout rangé, j'ai déballé un colis My Little Day que j'ai reçu pour la Saint-Valentin. Je fais une petite sélection de déco, je vais vous la poster sur Insta et je vais vous préparer un petit réel pour une petite création de table d'amoureux. J'adore l'idée, je suis trop contente. Je vais pouvoir faire des petits gâteaux aussi, enfin bref, ça me fait plein de trucs à faire. Je vais aussi préparer le déj parce qu'en plus elle arrive en plein milieu du déj, donc je vais pas la laisser mourir de faim. Et je vais pouvoir commencer à préparer le déjeuner. Loïs, lui, à midi, il va jouer au tennis. Donc, il reviendra vers 13h. Et à ce moment-là, on pourra manger. Normalement. Puis, il se trouve que l'homme du feu, bah, c'est plus du tout l'homme du feu, là. Hein. Il perd tout. Bah, c'est que ça fait nul, hein. Ça fait chou blanc. Voilà. Il a fait chou blanc. Pauline, qui vient de me faire parler pendant une heure et demie, presque. Sur cette thématique très intéressante qui est justement la présence des enfants sur les réseaux sociaux, le cadre légal, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, l'étude. Alors comment elle s'appelle cette étude? On n'a pas le droit de le dire avant lundi. Je vais voir ce que t'es. Donc il y a une étude qui va sortir lundi, et donc lundi sur France Info. C'est ça. À quelle heure? Le matin. Ça, c'est pas moi qui gère. Ok, sur France Info, lundi matin, vous pourrez entendre ma merveilleuse voix mélodieuse que t'es, parce que j'ai parlé pendant une heure et demie, il y a 2 minutes de sujet, quand même. Désolée. Malheureusement, je ne peux pas garder une heure et demie. Dommage. Pauline est partie, place à la bouffe. Donc là, il y a des choux de Bruxelles. Là, il y a des patates qui sont en train de cuire à la vapeur pour faire une purée. Et je prépare le steak haché qui va être farci. Alimental. C'est de l'emmental. Oui, c'est de l'emmental. Bah, la purée n'est pas prête, mais on n'a pas trop le temps parce qu'on a un rendez-vous. C'est bon? Où est la purée? Dans l'appareil. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Tu sais que t'es obligé de le dire. À consommer avec modération. Voilà, de toute façon, bah, c'est obligé. Mais je le dis. Ça m'évite d'écrire. Et bah, je... Ça y est, on a récupéré les enfants et on a été... J'étais levé avant que vous partiez, j'étais là, dans la cuisine. Qui es-tu? On a récupéré le Vinted de Rachel. Attends, c'est donc quoi, là, la marque? Je pense que c'est la meilleure affaire qu'on ait faite. C'est la marque de Decathlon, ça, Wade? Ouais, mais on a payé l'ensemble 4 euros. TTC? Ouais. T'as récupéré la télé? Non. Maman! Rachel, qu'on s'enrichisse avec toi, comment? Bah, c'est avec toi. Comment tu veux qu'on s'enrichisse avec moi? Regarde le feu comme il est beau! Mais il est excité. Il est excité celui-là. Coupez la lumière, éteignez la lumière. Éteignez. Éteignez la lumière. Mais il y a encore la lumière du jour. Attends, je vais lui éteindre la lumière. Là je fais des économies. Hashtag radin comme dans la story. Éteignez la lumière. Éteignez, quelle éteindez? Beaucoup trop cher à souffler. Ah, mon feu. Tu vois plus rien? Non. Je remets? Et c'est maman qui paye ou c'est papa? Papa. Bravo! T'es trop belle! Rachel, fais voir! Mais t'es trop belle! Mon amour! T'as chaud? Peut-être t'as chaud, hein? Non, pas trop. Comment tu fais pour retirer? Trop forte. Comment demande?
chien. Il y a une ampoule qui a lâché, c'est l'ampoule de la salle de jeu. Moi je suis trop petite donc j'ai ramené toutes les ampoules qu'on a. Elle ne marche plus. Elle fonctionne plus. Ça va. Parce qu'elle peut pas marcher. Ça fait flipper carrément les grands mots flippés. Non, j'ai voulu allumer la lumière. Elle a claqué. Trouver un bébé. Donc il faut être 4 pour changer une ampoule dans cette maison. 4. Tu peux ouvrir les volets s'il te plaît? Non, on ouvre pas les volets. Ah, pour avoir de la lumière. Mais non. T'as rééteint, il y aura après parce que si on... Ah oui, je sais plus. Mais celle-là aussi elle a lâché. Mais celle-ci elle a jamais fonctionné. Maman, c'est comme ça éteint. C'est comme ça. C'est comme ça éteint, c'est vers le haut chérie. Enfin vérifie avec la pièce d'à côté parce que... Tu me la retires et puis et puis tu me dis quelle c'est et je te donne le modèle. Ça te fera bien. Tiens-moi, reste là. Non, mais non. Tiens-moi. Mais non. Mais en fait, elle va lâcher la chaîne. Non. C'est genre. Non. 20 kilos max. Arrête de crier, Nora. Qu'est-ce qu'il fait? Elle lâche. Attends. Non, tiens-moi, non. Moi, et non, plus le reste. Je tiens toi, mais je te tiens comment? Mais c'est ça, fait un électrochoc. Mais non, c'est bon. J'ai flippé. Ah putain, merde, c'est une baïonnette? Elle se défait pas? Non, je crois pas, c'est pas une baïonnette. Si, c'est une baïonnette. Non, il y a zéro baïonnette dans la maison, c'est pas une baïonnette. Bah, elle se dévisse pas. Si, elle se dévisse, mais avec le haut. Oh là là, on va aller chercher l'escabeau, hein. Je crois qu'il faut l'escabeau. Il est là, hein. Il est en haut. Je sais, il est en haut? On va descendre ça. Déjà. Rachel qui range derrière mon amour. Mais ici, pour changer une ampoule, tout devient compliqué. Hein. Dans cette famille, tout est compliqué, mon amour, n'est-ce pas? Attends, c'est des ampoules que j'ai. On va voir laquelle correspond. Et il est tellement beau, ça. Tu veux pas regarder sur Vinted s'il y en a pas d'autres? Non, mais celui-là, il est encore. Il a un côté rétro. Ouais. Faut pas le garder, tu vois. Le début, je peux avoir un peu de lumière, ton téléphone? Oh, c'est beau! Il veut pas me lâcher! Pose là, il y aura ça. Ça, c'est un vrai chérie, problème. C'est ni une baïonnette. Non, en fait, T'as laissé l'ampoule dedans. Il faut prendre une pince. Elle était pourrie. Elle était pourrie, le truc. Oui, bah donc il faut prendre une pince. Oui, non, mais là, on a un vrai problème. Non, c'est pas un vrai problème. Prendre une pince, c'est dévisser. C'est dangereux. Tu sais pas dévisser, mais tu veux que je fasse? Non, ça a rien à voir. Bon, c'est bien. Venez voir les filles, on a jamais vu une ampoule comme ça. Ah, bah j'ai jamais eu une ampoule qui m'a lâché comme ça. Non, je vais dire. Ok, c'est vraiment bien parce que le ménage est bien fait. J'ai envie de putain de câble. Quoi, je fais pas assez bien le ménage pour toi, à mon chéri? À ce point-là, on ne respecte pas. Non, mais j'ai très peur de prendre une grosse douille. Mais non, chérie, c'est éteint. Ouais, mais c'est éteint, ouais. J'ai peur. Oh. Et il y aura là toujours. J'ai trouvé une pince. C'est fou, ma gueule. Alors, moi, c'est du plastique, tu risques rien avec du plastique. Ouais, mais je vois de la lumière. Ah, de la lumière. Oui, monsieur. Mais tu vas. Ah et... La Wii, ça va cabouler. Ça fonctionne? Qu'est-ce qu'elle dit? Ça fonctionne. C'est bon, Rachel, grâce à toi, ça fonctionne. On te la rend, hein. Putain, maman, elle est maligne, hein. Elle a trouvé une pince. Elle a trouvé une pince. Donc c'est cette ampoule qu'il faut. Alors, c'est quel numéro? Attends, je vais trouver. Je vais trouver dans mes trucs. Je sais pas. Alors. Je pense que c'est celle-là. Je pense que c'est celle-là. Je pense que c'est... Mais si, il est bien, ça permet. Je pense que c'est celle-là. Ouais. Ouais. Abîmer. Mais il faut pas que... Donne-moi la pince. Mais il faut que je mette le lampadaire avant l'ampoule. Mais je crois qu'il est passé avec l'ampoule, non? Tiens, Rachel, ta pince. Contre, maintenant qu'elle est installée, elle clignote. Faut pas être épileptique, hein. Non, mais faut que tu le... Tu sais, découvert que les ampoules, elles pouvaient se mettre en mode discothèque. En fait... Dans l'ouvre, coquette. En fait, elles changent de couleur en fonction de la musique. Je vais tout mettre bien dans le salon. Et qu'est-ce que je dis? Et je vais lancer la musique pour prendre Louis. Maman, oui, maman, on va faire un blague à papa. Oui, alors dis rien, fais
c'est ça, voilà. C'est comme si je savais pas. Imagine. Non, mais non, c'est pas pareil, j'ai pas. C'est la coupée, c'est pour. C'est pour nous deux, tu manges un entier. On a des pizzas, Loïs est parti nous chercher les pizzas. Quelqu'un veut une assiette ou pas? Oui, parce qu'on n'a qu'une boîte. Mais moi, je veux bien. Mais moi je veux bien une assiette. Ces deux là c'est toute une histoire. Hein. Hey, touche-moi pas frère. Arrête, non, c'est sale, idiot. Je voulais pas tu. Touche-moi pas sœur. Et toi tu rigoles toi. Genre d'un coup du poulet. On comprend pas. On lâche. Je comprends même pas ce que tu dis. Bon, les seules poules qu'on va lâcher, c'est ta mère. Ah, oh, les poules, Ellie. On va avoir des poules. On va chercher les œufs. Ouais, mais on a pas besoin du couteau, elle ça prend tout seul. Mais moi, je vais l'égorger. Bah ouais, bah t'auras pas d'œuf alors, hein. T'auras un poulet, rôti. C'est ça. Mais t'auras pas d'œuf. La poule au pot. La poule au pot. C'est bien. Toi, tu suis. La poule au pot. Mademoiselle. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un paquet de linge. Mais c'est quoi ces petites mains qui fonctionnent? On a perdu Rachel, c'est ce qu'on voulait. Loïs, il est encore là. Il n'y a plus de batterie dans l'appareil. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures parisiennes. Je vais récupérer mon sac d'anniversaire. Pas sûr. Hein. Comment ça, pas sûr? Bah non, parce que je l'avais dit, j'ai dans la mardi, moi. Pourquoi tu lui as dit ça? Parce que bah, je me rappelais pas que j'étais là. Parce que moi, tu m'avais dit que je le récupérais déjà jeudi, hier. Mais tu l'as déposé trop tard, c'est ça? Non, ça va, c'est que j'ai mis les chaussures avec, c'était prêt. Bah, il y aura peut-être le sac de prêt et pas les chaussures, c'est pas grave. Parce que Tara, elle m'a mangé mes chaussures. Voilà, bah, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Je vais dormir. Bon, il est 20h, hein, les gars. Juste, il est 20h. On est tous au lit.